Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le 25e épisode de Flashback que nous faisons sur Nob Wars The Elves. Alors nous chargeons une partie parce que oui, je l'ai fait un petit peu afin de que vous compreniez un petit peu tout le piment de ce jeu. On lance et je vous explique en même temps. Alors nous contrôlons en fait les archers. Notre but c'est que ni notre groupe d'archers ni les humains là avec leur grand drapeau ne meurent. Pour ça, nous pouvons tirer des flèches normales, des flèches enflammées, des rafales de flèches. Nous pouvons invoquer des guerriers et des centaures. Alors, lorsque nous avons des guerriers en face, les seules choses qui sont efficaces contre eux sont les flèches enflammées. Parce que sinon, on leur fait des 1. Bon, c'est toujours ça, mais c'est pas assez violent. Donc, on est déjà sur l'avant-dernier niveau. Évidemment, c'est un peu compliqué, quoi. Évidemment, c'est pas trop simple. Et nous remarquons que nous pouvons reculer, avancer et rester sur place avec notre groupe d'archers. En revanche, toutes les autres unités avancent inlassablement sans s'arrêter. Quand les centaures reviennent toutes les 20 secondes et les guerriers toutes les 40. Ça, c'est les détails. On remarque que les centaures sont très intéressants. Ils sont capables de lancer des flèches s'ils ne sont pas au combat direct. Enfin, des lances même carrément. Ça, c'est très agréable. Réinvoquer des centaures. Il nous faut avancer. Charger. Voilà. Et on remarque aussi voilà, que la grande zone verte, eh ben, c'est en fait tout l'endroit où nos flèches vont atterrir. Évidemment, là, on a la plus grosse armée possible en tant qu'archer. Donc ça se passe bien. Bien sûr. Ah, et en fait, il nous reste juste quelques petits malheurs. Il reste un PV, voilà, meilleur merci. Comme ça, on invoque des nouveaux et ça va beaucoup. Alors, il nous faut défendre nos boucliers, c'est important. Alors, le méga drapeau là ne prend qu'un seul dégât à chaque fois. Même si ce sont des flèches enflammées, parce qu'ils sont trop forts, c'est tout, c'est comme ça. Bon, ça va être vite vu. Voilà, merci, bonsoir. Et ben voilà, on a fini. Hop, on peut se guérir. Tellement c'est trop simple. Et voilà, on a atteint le château, on a gagné. Oh, vous avez conquéré tout. Ah bah non, ah mince, j'étais sûr qu'il en restait un. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Bon, alors, je vous montre quand même comment on peut améliorer les armées. Donc, on peut monter la vie, on peut monter les dégâts de combat au corps à corps, on peut monter le nombre de gardiens du drapeau. La vie monte la vie de tout le monde. On peut faire plus de dégâts avec nos flèches, des dégâts supplémentaires avec les flèches en feu, une rafale de flèches en plus de personnes dans la troupe des humains, plus de personnes dans la troupe des centaures, mais il est déjà au maximum, plus de personnes dans les archers, ils sont déjà au maximum. Et ce guerrier, on ne peut le faire qu'une seule fois par bataille, de toute manière. On monte encore, voilà. Ça, c'est la fin. Alors, est-ce qu'on peut le refaire? Ah bah voilà, c'est ça, il me semblait bien qu'il y en avait encore. N'importe quoi. Tout de suite, on invoque nos unités, et c'est parti. Soyez prêts, ceci est la dernière terre à conquérir. Ah ouais. Ouais, il rigole pas. Hein. Bon, ça va, tant que c'est des centaures, on s'en tire très très bien. Et hop les... Bon, pour l'instant, excellent. Normalement, pour les archers, il ne faut pas avancer, puisqu'ils nous font aussi des dégâts, évidemment. Et on aimerait éviter de se prendre des dégâts. On peut tirer depuis là, j'ai l'impression. Ça semble encore être un safe spot. On a bientôt plus d'archers, oui, c'est bon. On peut se permettre d'avancer et de leur montrer que notre armée n'est clairement pas... Non, mais facile à battre. Bon, voilà, hop, c'est parti. Pouf, plus d'archers, c'est bien. Oh, les centaures contre les archers, c'est vraiment un plaisir. Hop, ça, c'est gratuit. Oh, on n'a plus personne. Est-ce qu'on tente? Non, c'est peut-être un peu dangereux encore.
On va juste attendre, voilà. Les centaures reviennent. Changer. C'est bon. On évite de prendre trop de risques. Oh, excellent ça. Et 1, 2, 3, plus de centaures. Voilà, on détruit tous ces boucliers. On invoque vite le reste des armées. Pour l'instant, ça se passe toujours bien. Donc, au prochain gros groupe d'archers, on ira les affronter directement. Qu'importe. Quoi qu'il en coûte. Bon, on fera moins de dégâts, mais on fait toujours un peu. Voilà. Alors, il faut éviter de balancer des centaures sur... sur ces gardiens-là. Allez, ça jarte. Et on se guérit. Ah, mais en fait, il veut pas tuer ce groupe-là. Ok. Tu veux. Centaure, allez-y! On a guéri nos archers, mais en fait, on s'est pris des flèches comme des nuls. J'ai pas compris pourquoi. Bah voilà, c'est la fin. Et voilà, ciao! Voilà, c'est intégralement gagné. C'est incroyable. C'est parfait. Nous avons conquis toutes les terres. Alors du coup, si on met Try Again, qu'est-ce qui se passe exactement? On peut encore acheter des troupes, c'est parfait. Oh, bah voilà, c'est le maximum. Là, par contre, c'est pas la fin. Je suis étonné. Par contre, là... Ok. J'ai du mal à comprendre exactement comment ils font pour déterminer... Mais là, par contre, c'est fini. Donc si on met Start... On refait le dernier. Bon, qu'importe. Bon, et bien voilà. Voilà qui termine cette vidéo de présentation de Nob Wars. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft. Soyez témoins.